Je m'appelle Vincent Messager. Je suis le metteur en scène donc du plaisir de l'amour et je joue également dans la pièce le rôle du docteur Somnol. Alors pour résumer la pièce, c'est l'histoire de Sophie, Sophie qui aime, qui aime l'amour, qui, qui aime la séduction, qui aime les hommes. Et, euh, mais le temps passe et Sophie a encore envie de séduire et elle essaie de séduire un jeune homme. Seulement à vouloir jouer, euh, bah elle s'y brûle les ailes, c'est-à-dire qu'elle se laisse prendre au jeu et euh, finalement elle se rend compte euh, que c'est pas pour elle, euh, qu'il vaut mieux qu'elle se tourne vers des gens de son âge. Donc elle se retourne vers le docteur. Et ce qu'elle veut aussi, c'est, euh, c'est en gros passer le relais et présenter à, à sa jeune servante euh, le jeune homme et, euh, et voilà, en fait, c'est l'histoire de, de ces quatre personnages qui courent après l'amour. On a euh, plusieurs versions euh, de l'amour qui rend des fois heureux et puis des fois euh, malheureux. Ce qui fait le, le, le succès de, de cette pièce, c'est qu'elle est, elle est, euh, est contemporaine. C'est une pièce qui est contemporaine, mais sur un, un fond classique, euh, avec une mise en scène contemporaine, avec des musiques euh, contemporaines. Et euh, un vocabulaire classique. Donc, c'est un mélange d'un petit peu tout. Et euh, ça permet de découvrir un univers particulier. Eh bien, venir voir le plaisir de l'amour, c'est parce qu'on passe un bon moment, parce que c'est drôle, parce qu'on apprend plein de choses sur l'amour. Et je pense aussi que c'est à voir en couple.